social a collaboré avec le DRC, DRC Danish Refugee Council, dans les cadres de la riposte COVID, auquel nous avions déjà un programme d'assistance sociale à la population vulnérable vivant à Djibouti. Ce partenariat avec DRC portait sur la distribution de 1200 coupons d'une valeur de 10 000 francs. La particularité de cette distribution, c'était que les réfugiés devaient retirer de l'argent liquide auprès de la poste de Djibouti pour compléter, bien sûr, parce que en fait, les réfugiés, nous avons, dans une autre collaboration avec le HCR, distribué des rations alimentaires de la même valeur. Donc, c'était un supplément que cette ONG danoise a voulu apporter aux réfugiés vivant à Djiboutiville. Donc, vous savez que les programmes d'assistance sociale, bien sûr, destinés pour cette population, vous savez que, par exemple, les réfugiés, c'est souvent, on avait, les ONG avaient l'habitude d'apporter de l'assistance directement au sein des villages réfugiés tels que Markazi, Ali Adé et Olol. Cette année, avec la crise Covid, tout le monde était conscient que, bien sûr, il y a une portion importante également des réfugiés qui vivent à Djiboutiville. Et cette assistance était destinée uniquement aux réfugiés urbains. Donc, on remercie également, bien sûr, la contribution de DRC qui a apporté son aide auprès de cette population. Donc maintenant, dans le cadre de cette intervention aussi, il y avait la population hôte également à profiter du même service. Donc nous avions sur les 1200, 200 étaient pour la population hôte et le 1000 concernait les réfugiés. Dans le cadre du contrat avec le Conseil danois pour les réfugiés, qui sont en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de solidarité, pour la distribution du cash pour les réfugiés urbains et nationaux vulnérables impactés par le Covid-19. Sur un total de 1200 bénéficiaires, nous avons à ce jour distribué 728 réfugiés et 200 bénéficiaires nationaux, soit un total de 928 bénéficiaires. Bon, pour revenir à votre question, la distribution de cash se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons mis un dispositif de lavage de mains à l'entrée de l'agence. Notre équipe se protège aussi avec le port du masque et l'utilisation fréquente du gel hydroalcoolique. Depuis le mois de mai dernier, le Conseil danois pour les réfugiés, connu sous l'acronyme DRC, mène à Djiboutiville un projet d'urgence de riposte contre la COVID-19. Ce projet est financé par la fondation Ole Kirk, qui est une fondation suédoise. Alors ce projet, la deuxième composante est la distribution du cash inconditionnel à 1200 ménages, dont 762 sont des réfugiés urbains et 438 sont des nationaux vulnérables. Nous sommes en collaboration avec l'ONARS, le HCR et le ministère des Affaires sociales et des solidarités. Sur ce volet, le MAS fait un travail remarquable pour la sélection des bénéficiaires à travers une grille d'analyse des critères de vulnérabilité, mais aussi pour la distribution des bons de cash en faisant du porte-à-porte grâce à leurs agents communautaires. La Poste et le partenaire technique qui a été sélectionné pour assurer la distribution de cash. À ce jour, nous avons atteint 80% des bénéficiaires escomptés et la distribution se déroule dans de bonnes conditions, de plus belles. Voici succinctement les activités du projet avec lesquelles nous sommes en collaboration avec votre ministère.